Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour un troisième épisode sur Knight of Honor 2 et sans trêve de bavardage, voilà. Comme quoi, je voulais pas bavarder, ça se voit. On reprend la partie. La dernière fois, on avait fait pas mal de petites guerres. On avait augmenté le commerce de l'ambre, qui va nous apporter pas mal de choses et peut-être une nouvelle route commerciale. Une opportunité d'envoyer le comte s'est présentée. Sire, sa mission sera de renforcer notre piété. Ouais. On y réfléchira plus tard. Le règne de Castille et le pape, rien. J'aimerais savoir à la suite. Menace, Flandre. Ok. Alors comme vous pouvez voir. Ça se bat partout avec des rebelles, on dirait. En attendant. On attend tous. Mais comment ça se passe du coup d'ailleurs? On a la France. Ah, l'Angleterre. Oh, l'Angleterre, elle a poutré la France. On a la Bretagne qui n'a rien passé. On a la Bourgogne ici. La Germanie qui, elle, s'en sort toujours bien. Le Danemark. Mais du coup, le Danemark n'était pas mort en fait. Le Danemark avait gagné justement. Et nous, on est amis avec qui du coup? On est amis avec la Lorraine. Il faudrait peut-être voir pour peut-être audience offre. Ok, le mec il veut qu'on fasse la guerre en gros. Ok, bah la Lorraine préfère qu'on fasse la guerre. Et la Flandre, où en est-elle? Elle est menacée par tout le monde et elle est toujours vassale de la France. Nous sommes en paix et nous ne pouvons pas lancer d'attaque l'un contre l'autre sans déclaration de guerre officielle. En vrai, j'ai envie de lui déclarer la guerre, hein. Parce que... Ah bah voilà. Je l'ai dit, le voilà, le voilà, le velou. Donc... Et lui, il est fort comment en guerre? J'aimerais que tu... Que tu passes toutes tes troupes, je sais pas comment on fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire P. Je vais régénérer toutes tes troupes. Et lui. Lui va venir les chercher. Et tu vas me recruter, on a déjà 4 archers. Tu vas me recruter ça. Donc maintenant toi, tu vas te diriger vers là-bas. En x2 s'il te plaît mon ami. Et toi, tu vas rester dans le territoire. Je sais pas si je peux créer deux armées en une, mais bon. Allez, c'est quoi? Des archers et de la cavalerie de nobles. Léger avantage. Bon. Cette fois, on va pas faire la guerre, les amis. On va laisser faire l'IA. Et on verra bien. J'aimerais, je peux tester un peu les deux. Donc, bon, pour l'instant, nous, on est niveau 2. Bon, pour l'instant, on s'en fout encore un peu de ça. On continue. On progresse, ok. Et pourquoi je ne peux pas récupérer cette cité encore?
On est où de la guerre là? On gagne pour l'instant. Pour l'instant, nous gagnons, les amis. Et on se bat contre le baron Lec. Nos sujets servent sur la direction éclairée. Éclairée du comte Floris et la comtesse, le successeur du trône, le prince d'Urk. Alors pour l'instant, on gagne de large. Mais on a quand même perdu pas mal de troupes, donc on va devoir aller se ravitailler. Mais c'est bon, on a pas mal de trucs. Et au moins, ça nous fait des points en guerre. Go rentrer. Ah, nos archers ne sont pas morts. Ce qu'on va faire, c'est que toi, on va t'améliorer. Plus on la charge. On va mettre ça. On a des rebelles? Ok. Toi, tu vas aller là. Les rebelles, c'est quoi? C'est que des paysans? Ok. Alors, ce que tu vas faire, reconstituer, 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 reconstituer. Ok, il me manque quoi? On va attendre un peu. On n'a pas beaucoup d'hommes en fait, je m'attendais pas à ça. Ce qu'on va faire, c'est que le politicien... On va envoyer négocier la paix avec la Flandre. Et on va envoyer nos deux générales. Ça là. Donc. On va faire la bataille. Je prends part à la bataille, je veux voir. J'aurais pu attendre et attendre qu'ils assiègent mon château, mais je me dis qu'on peut peut-être essayer de niquer leur commandant avant qu'ils arrivent à nos portes. Puis c'est une idée, si on n'y arrive pas, bah ce sera la défaite, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Est-ce qu'ils peuvent traverser? Non, ils peuvent pas traverser. Donc nous, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est que ça. Donc toi, on te met ici. Et toi, on te met ici. J'aurais bien aimé un peu de corps à corps. Ok. Donc... Voilà. Donc, notre but étant d'essayer d'écraser le général ennemi. Donc, toi, tu vas venir ici.
Oh, ils se font dépouiller. Allez, déplacez-vous les gens. Ouais, les batailles sont faciles dans le jeu. Il devrait vraiment corriger le fait que les généraux foncent. Au moins dans les Total War, ils ont pensé à mettre que l'IA reste toujours par défaut par derrière. Parce que là, le fait que le général a foncé, bah du coup, moi, ça m'a donné envie de le focus. J'ai changé tous mes ordres et j'ai rien perdu finalement. Tant mieux, justement, tant mieux, mais... Je trouve ça justement un peu triste, cette stratégie. Donc, manque de stabilité, sans échelon par le temps, à Bruges. Rebelles ont terminé. Nous avons défendu la joie de la bataille. Ok, l'amélioration de la noblesse, ok. Ce qu'il nous faudrait, du coup, ce qui nous manque, c'est ça, c'est le petit truc. Donc je pense qu'il va nous falloir faire un bâtiment pour améliorer ça. Main d'œuvre de rance, à chaque rencontre, la production d'or et de trucs. Production de rebelles, auto de concession de production. Ok. Ok, c'est intéressant à savoir en tout cas. Pour pas mal de choses en tout cas par rapport à ça. Mais là, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi. Donc lui, il a dû augmenter sa manœuvre ouvrier. Moi non. On va partir sur ça. Honnêtement, on s'en fout de l'opinion du clergé. Hein. Tournée de base, terre royale, tribu, solde, dépenses 84, région et culture. Ok.
Je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression que soit on doit faire ça, soit il faut pas. Plus chance, ordonné au moment d'essayer de revendre les pour gagner 1400. Voilà, on va tester. Hein. Gagner pour essayer de gagner le double, faut tenter dans la vie. Ah, je vais bientôt pouvoir recruter. Oh, il a échoué. Le coup de poker aura pas réussi. Il me faudrait un autre commerçant en fait. Bon. On y revient. Il faut que je finisse cette guerre avant qu'il invite des gens. Et du coup, lui aussi, tu vas y aller. Et l'autre, il est où? Ah. Rebelle sans gain, il s'appelle comme ça? Ce gain, ok. Je sais pas si je pourrais gagner. Qu'est-ce que c'est tout ça? Opportunité, faire un commerce, ok. 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 Décédé, et lui il en a combien? Ce que je pourrais faire. Que je pourrais faire, c'est lui demander off, exiger soutien à la guerre. Vous avez notre soutien. Les autres ne pourront pas céder. Ok. Et je pourrais off hein, avec la princesse, avec le prince Peter. Maintenant que nous sommes liés par le sang, personne ne pourra que le mariage de la princesse. Ok. Voilà, on a des liens royaux maintenant avec eux. Les faisons pour votre nouveau mariage royal, nous espérons que d'un signe d'amitié et non de démarche de commerce à implorer des faveurs. Relation avec le Luxembourg plus 50. Ok, audience. Ouais, je pourrais. Accord commercial. Pourrait s'avérer bénéfique pour notre économie. Offre, pas que non. Les mauvaises langues disent que vous ne resterez plus longtemps roi. Ok, bah va se faire en cul. Excusez-moi. J'ai flanché, chef. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais engager un marchand. Ah, c'est 500. 500. On va attendre un peu alors. Ah, parce que du coup, je dois gagner du commerce ouais, avec l'autre là, du coup, le Luxembourg. J'aimerais bien que l'autre y vienne, la Lorraine. Lorraine nous demande d'attaquer la Saxe. Bah, pas maintenant. Pas maintenant. On va le laisser là-bas, on verra bien. Oh, encore des rebelles, hein, toujours. Ok. S'ils attaquent, je vais devoir partir. Nous combattons pour restaurer l'ancienne gloire de notre nation par tous les moyens nécessaires. Oh, putain.
Maintenant, je ne peux pas gagner. Se replier. Vous voulez vraiment fuir? Votre nom supérera des pénalités et de morale est certaine. Défendre tête. C'est quoi qui attaque? Voilà ça, et moi j'ai quoi? Vas-y, je vais l'aider. Et je vais faire la bataille moi-même. Allez, je prends part à la bataille. Parce que du coup... vu qu'on sait comment battre facilement les gens, pourquoi pas prendre part à la bataille? On avisera par la suite, les amis. On a un peu du mal. Hein. Comme vous voyez, ça a l'air d'être long comme jeu. Très long, très très long. Donc, on a un peu du mal, oui. On va tout reculer comme on avait fait la dernière fois. En marche. Et on va mettre en x2. Voire en x3. Leur commandant est du côté droit. Donc toi tu vas aller là-bas, tout en courant. Et ce qu'on va faire, c'est que... Toi tu vas te mettre là. Non, là. Toi tu vas te mettre là. Toi tu vas te mettre là. Toi, tu vas te mettre là. Voilà. En vrai, il faudrait vraiment qu'ils changent la mécanique de pouvoir attaquer les commandants. Parce que là, il a pas moyen de se... Voilà. Je trouve ça d'une... bonnerie. Mon... Enfin bref. Mon esprit Total War est blasphémé. Je pense que je vais essayer d'arrêter de faire les batailles en... Comment ça s'appelle? En... Comme ça, je vais faire automatique, mais bon. Je trouve ça d'une nullité. Enfin bref, on va rien dire. Du coup, on avait retrouvé toutes les troupes. On restaure tout. Enfin, je comprends pas en fait. Je comprends pas que comment dans un jeu tu peux faire en sorte que le commandant est la personne qui fait en sorte que tu perdes ou tu gagnes ta bataille et que quand tu l'envoies de front tel un abruti, on va pas se mentir, bah, tu perds en fait. Je sais pas à quel moment les devs ils se sont dit ça. Enfin bref, on va pas non plus déblatérer pendant des heures, mais enfin je comprends pas. Donc si les devs vous m'écoutez, bah vous êtes cons. Désolé de le dire comme ça, mais vous avez fait un bon jeu dans la gestion, dans les trucs, etc. Mais de faire que on puisse perdre juste en focusant le général, je sais pas. Je sais pas comment penser. On va rien dire du coup. Pour faire la route, il me faut 71. En fait, j'aime bien ce côté économie, gérer le commerce, gérer ceci, pouvoir faire en sorte de faire la guerre, en plus faire un peu la guerre comme la Total War, sachant que je suis un fervent prêcheur de Total War. Mais de pouvoir en fait perdre tout d'un coup. A refusé mon cher. Tu m'as déclaré la guerre. Et puis dans notre guerre, il n'y a que toi.
Donc non, en fait, je vais refuser et je vais revenir bien armé, tout simplement. Hein. Tout simplement, oui. Avec le Luxembourg, parfait. Donc on va gagner un peu plus d'argent encore. C'est qui ça? C'est qui? Ah, c'est la Flandre. Qui attaque eux? Est-ce que je vais faire? C'est y aller. Attendez. Si je peux attendre encore un tout petit peu. On va se refaire un peu de soldats. Le temps, en attendant que tout ça, ça revienne ici. On va aller juste faire coucou. Qu'est-ce qui se passe? Comte Floris. Hôtel en restant, assurez-vous qu'elle reste longtemps. J'ai renouvelé vos relations. Ah! Excusez-moi. Voilà, je te fais une alliance. J'avoue que j'ai été vite. Mais je m'attendais pas à qu'il passe par là, lui. Voilà. On va aller aider la Flandre. La Lorraine. Bah, ignorer. Parce que je ne peux pas la payer, en fait, les gars. Je l'aime bien. Hein. Je l'aime bien, les gars, mais je peux pas le. Je peux pas payer ça, truc, hein. Donc les amis, on va s'arrêter là pour le troisième épisode, si je me trompe pas, ou ouais, pour le troisième épisode. On va regarder ça les amis ensemble. Oui, pour le troisième épisode. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et laissez un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour la suite sur Knight of Honor. Ciao, ciao, ciao les amis.